S'apprécier soi-même. Plusieurs de nos amis physiques nous posent la question suivante. S'il est si simple d'avoir accès à la sagesse de notre être intérieur, pourquoi alors y a-t-il si peu de gens qui prennent conscience de ce potentiel en apparence caché? Le blocage qui vous empêche pour la plupart de donner la chance à votre magnifique potentiel intérieur de rayonner est le manque d'appréciation à votre propre égard. C'est cette même entrave qui empêche tant de gens d'obtenir ou de réaliser tout ce qu'ils veulent et qui suscite en eux un sentiment de frustration ou d'insatisfaction alors qu'ils aimeraient tant aller de l'avant. En général, l'homme d'aujourd'hui n'obtient pas tout ce qu'il désire et doit composer avec beaucoup de choses dont il se serait bien passé. Il ne comprend pas de quelle manière il attire à lui ce qui arrive dans sa vie et cherche donc, à l'extérieur de lui, les réponses susceptibles d'expliquer ce qui se passe. Il trouve alors toutes sortes de cibles auxquelles on attribue le mérite ou le blâme. Plus il impute la responsabilité de ce qu'il vit à d'autres, plus il aggrave son manque de maîtrise des circonstances de sa vie, ce qui entraîne une frustration sans cesse accrue. Plongé dans cet état émotionnel négatif, il ne peut alors qu'attirer toujours plus de ce qu'il considère comme mauvais pour lui. Il s'ensuit que les expériences qu'il attire à lui sont principalement du même ordre, car cette perspective négative se perpétue d'elle-même. Comment cet état d'être en est-il venu à se développer? Essentiellement en raison du manque d'estime de soi. Trop souvent, l'homme ne sait plus comment établir la distinction entre le bien et le mal, entre ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, entre le positif et le négatif. Comme il a oublié l'existence de son propre système interne de guidance, il cherche à l'extérieur de lui-même les poteaux indicateurs, les livres de loi universelles ou les groupes puissants et influents définissant ce que sont le bien et le mal. Il se dit que si beaucoup de gens croient qu'une chose est bonne, elle doit sûrement l'être. Il s'en remet donc aux opinions et aux attitudes des autres et il se rend très vite compte que ces derniers ne demandent pas mieux que de pouvoir lui exprimer leurs idées, opinions et pensées. Cette ouverture aux idées des autres est en soi une fort bonne chose, car cela peut le mener à la découverte de pensées et d'idées nouvelles, et donc s'avérer un bon stimulant à sa croissance. Toutefois, lorsqu'il a des échanges avec des personnes ayant des idées bien arrêtées sur ce qui est bien ou mal, et qu'il a perdu contact avec sa propre intuition le guidant normalement, il se sent alors ballotté entre tous ses points de vue et envahi d'une confusion grandissante. Lorsque vous ne sentez pas l'intuition surgir avec force de votre être intérieur pour vous guider et que vous vous en remettez au conseil des autres pour la conduite de votre vie, vous n'agissez plus alors que pour avoir leur approbation. Et plus vous éprouvez de la satisfaction à plaire à une autre personne grâce à vos pensées, vos paroles ou vos actions, plus vous essayez de plaire à chaque nouvelle personne rencontrée. Bon nombre de difficultés rencontrées par les gens sont dues au fait qu'ils ne s'aiment pas, ne s'apprécient pas ou ne se font pas confiance. Une personne n'ayant pas confiance en elle-même cherchera l'approbation des autres et cette attitude est en soi un obstacle à ce qu'elle désire, soit justement de développer une confiance en soi. Plus elle se tournera vers les autres pour pallier son manque de confiance, plus elle perpétuera ce problème. Un de nos principaux objectifs est de vous aider à découvrir l'existence de votre propre système de guidance afin que vous puissiez le mettre à profit dans votre vie. Ce que nous désirons avant tout vous communiquer, c'est que l'estime de soi n'est pas une chose difficile à découvrir. En réalité, elle n'a jamais été vraiment perdue, mais simplement oubliée pour un temps. Comprenez que votre être intérieur existe en vous,
et qu'il est la très sage quintessence de tout ce que vous avez vécu jusqu'à ce jour. Mais surtout, comprenez qu'il vous adore de façon absolue et inconditionnelle. Le regard qu'il porte sur vous est rempli d'une appréciation sans borne. Il vous observe en permanence, conscient de vos désirs et de vos attentes, attentif à la moindre de vos pensées. Lorsque votre attention se porte sur des sujets qui vous plongent dans un état de ravissement, la sensation d'énergie positive circulant d'un bout à l'autre de votre corps vous connecte alors avec votre glorieux être intérieur. Quand vous êtes émerveillé par la beauté de votre environnement, une majestueuse créature sauvage, une chose que vous venez d'accomplir ou encore par un rêve, votre être intérieur entre en résonance avec vous. Vous vous sentez merveilleusement bien. Toutefois, si vous ne cessez de penser à une chose qui vous manque et dont vous rêvez, ou bien si vous vous adressez des reproches ou critiquez quelqu'un d'autre, l'énergie négative que vous ressentez alors en vous signale la rupture de votre connexion avec votre être intérieur. Lorsque vous entretenez des pensées avec lesquelles ce dernier ne résonne pas, c'est comme si vous vous retrouviez abandonné à vous-même. Les sentiments d'insécurité, de peur ou de solitude que vous éprouvez alors indiquent que vous vous êtes éloigné de qui vous êtes réellement. En acceptant le fait que votre être intérieur possède la connaissance de tout ce que vous avez vécu, qu'il a pleinement conscience de toutes vos pensées et qu'il vous adore, vous progressez à pas de géant vers une saine appréciation de vous-même. Si vous désirez bien intégrer ce que vous venez d'entendre, demeurez assis dans le silence durant quelques instants et concentrez votre attention. Choisissez d'abord un sujet évoquant pour vous des choses agréables. Pensez à une personne qui vous est chère et rappelez-vous d'agréables moments passés en sa compagnie. Ou bien pensez à quelque chose que vous aimeriez faire et imaginez-vous en train de vivre cette expérience. Méditez là-dessus pendant quelques instants. Sentez l'énergie positive déferler dans votre corps, tandis que votre être intérieur entre en résonance avec vos pensées. Maintenant, choisissez un sujet beaucoup moins agréable. Contemplez l'idée de ne pas avoir suffisamment d'argent. Pensez à ce que vous éprouveriez, par exemple, en recevant vos factures mensuelles, sachant que vous n'avez pas assez d'argent pour tout régler. Ou bien, pensez à une personne qui a été injuste envers vous et imaginez-vous en train de justifier votre position alors que vous vous défendez mentalement contre cet ennemi. Ou encore, pensez à vos propres faiblesses et fustigez-vous un peu pendant un moment. À présent, sentez l'absence de votre être intérieur si joyeux auparavant.
prenez note du sentiment de séparation que vous éprouvez. Voyez ce qu'entraîne en vous un choix de sujet contraire à ses préférences. Sentez l'impression que vous laisse le fait d'avoir rompu la connexion avec votre puissant être intérieur et de vous retrouver ainsi isolé de ce dernier. Quelqu'un nous a demandé « Abraham, pourquoi notre être intérieur nous abandonne-t-il au moment où nous avons le plus besoin de lui ? Pourquoi nous tourne-t-il ainsi le dos ?» En fait, votre être intérieur ne détourne jamais son attention de vous. C'est plutôt vous qui êtes dans un état ne laissant à cet être aucun espace pour s'exprimer. Lorsque vous vous sentez bien, vous laissez place à la communication avec lui, mais quand vous vous sentez mal, vous rompez ce lien. Votre travail le plus important au cours de cette expérience de vie est la découverte du véritable sens profond lié à votre identité réelle. Pour y arriver, il vous suffit d'écouter la guidance provenant de votre sagesse intérieure et de laisser rayonner le magnifique être que vous êtes.